vous avez à me dire ? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi ? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais dire. Non mais attendez, c'est une honte. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Croyez bien que je le regrette assez. Oui, eh bien moi, pas. Mais, dans pas bien longtemps. Quoi ? Dans pas bien longtemps ? Dans pas bien longtemps. Tenez, il se peut même que dans 2 jours, ça soit fait. Et qu'est-ce qui peut se faire dans 2 jours ? Que je sois votre amant. Ah oui ? Oui. Retenez bien ce que je vous dis là, c'est plus que probable. Ah, mais j'en serai la première étonnée. Oui, en tout cas, vous en serez la première avertie. Ouais. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Allons donc. Non, mais c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Ah ouais, vous avez une façon de dire les choses. Oui, excusez-moi, je voulais me faire bien comprendre. Oh, mais j'ai bien compris. Ouais. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Ah ! Voilà bientôt 3 mois que vous accueillez mes assiduités. Quoi, vous faites allusion à vos fleurs ? Oh ! À tout. À mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. À vos légumes ? Je vous ai bien envoyé des légumes de ma propriété. Oh, moi, j'appelle ça des fleurs. Ah oui, alors là, bon, évidemment, si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée. Et mes œufs frais, dont je me prie depuis des semaines. Vous me les reprochez ? Non, certainement pas, je ne vous les reproche pas. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule...